Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Les amis, les abonnés, et oui, les abonnés aujourd'hui, et oui, c'est vous à qui je m'adresse aujourd'hui, évidemment, car c'est votre carrière, le cinquième épisode de votre carrière avec Chelsea. Les gars, bon ben voilà, on se retrouve aujourd'hui pour 4 matchs comme d'habitude et comme du coup on va le faire à partir de maintenant. C'est-à-dire que voilà, on va commencer à simuler un match de manière interactive et on fera 3 matchs derrière jouer. On simulera interactivement les gars aujourd'hui Southampton pour commencer, voilà, en haut. Et on jouera les 3 matchs d'après Leicester, le PAOK Salonique et Brighton, évidemment, voilà, ça pourrait être plutôt cool. Voilà, à noter les gars que j'ai bien lu vos commentaires et les commentaires de certains joueurs et notamment. Deux, alors il y en a un troisième que celle que je parlerai après, mais d'abord deux comme ça Rémi, deux, voilà, deux, un, deux, trois, voilà. Donc deux d'abord, celui de Arouf qui m'a demandé tout simplement si il pouvait être mis en défenseur central si c'était pas trop long, voilà. Eh bien écoutez, je l'ai écouté, pas de souci. Et il y a 2 semaines de délai pour devenir défenseur central, donc c'est plutôt cool. Je regarde encore une fois un petit peu vos commentaires, mais effectivement c'était bien ça qu'on m'avait demandé. Voilà, je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc voilà, je l'ai mis un entraînement pour devenir défenseur central. Donc voilà, plutôt bien au final. Et dans 2 semaines il sera bon. Donc ça se trouve il va gagner quelques points de général, donc ça c'est plutôt cool. Le deuxième, c'est Géopold Junior qui m'a demandé d'être prêté. Et effectivement, je l'ai mis sur la liste des prêts. Alors bon, on est en octobre, je crois. Donc bon, ça ne sera pas tout de suite. Mais voilà, peut-être en prêt court pour la saison prochaine. À voir, ça pourrait être plutôt sympa. Enfin, pour un prêt court de janvier jusqu'à juillet, pour commencer déjà. Et après, on verra s'il y a une grosse progression. Pourquoi pas continuer le délire. Mais pour l'instant, ce sera déjà pas mal. Un petit prêt court, ça pourrait être plutôt cool. Et le troisième truc que je voulais dire, c'est notre ami Kenan. Alors notre ami Kenan, il a commenté la dernière vidéo. Alors Kenan, on va se calmer, d'accord? On se calme, d'accord? Dans les mots, dans les messages, dans les petits smileys, tout ça, emoji super sympa, hein? Bon, on est d'accord? Je pense que tu sais très bien de quoi je parle. Bref, on se calme, hein, d'accord? On reste gentil entre nous, ce serait plutôt cool. Voilà, même si c'est pour rigoler, calmez-vous un tout petit peu de temps en temps. Hein, bon, je dis ça, après voilà, c'est le plaisir, c'est rigolo, moi ça me fait rire. Mais bon, voilà, faudrait pas que quelqu'un le prenne mal, c'est juste ça. Après, tu règles tes problèmes, Kenan. Hein. Voilà, hein. Les problèmes, je veux pas que ça vienne sur le terrain. Hein. Bref, non, c'était pour rire, mais voilà, je le sais, mais je précise au cas où quand même que rester sympa entre vous serait pour être cool. Et restez sympa avec moi aussi, d'accord? Attention, notamment Ganil là, on se calme. Moi, je joue pas mal, hein. C'est toi qui te prends une panenka, d'accord? C'est pas moi qui me prends une panenka. Merci. Allez, bisous les gars. Bon, on va y aller les gars directement pour ce match. Oui, aujourd'hui, vous avez vu, hein, je commence à faire un peu, hein. Bah oui, non mais oh, je suis l'entraîneur les gars, c'est moi qui gère, d'accord? Allez, on va aller. Est-ce qu'on fait tourner aujourd'hui? Allez, on va faire tourner un petit peu aujourd'hui. On va laisser Kanan, on va laisser RG7, on va laisser tout le monde. Je pense qu'on est plutôt pas mal pour ce match, hein, surtout qu'il y a une trêve internationale derrière, donc c'est plutôt cool. Et on va y aller comme ça. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et on va le simuler de manière interactive, comme d'habitude. Donc les gars, comme d'habitude, si cette vidéo elle vous plaît, n'hésitez pas le petit pouce en l'air, hein, comme ça, peut être sympa, hein? Ou le petit pouce pas en l'air si vous voulez, le petit pouce rouge là. Allez, pourquoi pas, on s'en fout. Faites-vous plaisir si vous voulez. Mais bon, faites-le quand même dans tous les cas. L'abonnement et la cloche de notification, évidemment, si ce n'est pas encore fait. Hein. Bon, on est content, on est bientôt. Bientôt les 200, les gars. Ça se trouve, quand vous regardez cette vidéo, j'ai déjà les 200 abonnés. C'est possible. Parce que je tourne cette vidéo le dimanche. Donc c'est possible qu'il n'y ait pas encore. J'ai pas encore mes 200 abonnés. Mais ça se trouve, j'ai déjà. Donc merci si c'est le cas. Et puis, ben, on se dépêche, hein, si ce n'est pas le cas. Bref, non, je rigole. On s'en fout. Bon, allez, c'est parti, les gars. On est en blanc aujourd'hui. Allez, la contre-attaque. Allez, la contre-attaque. Il va falloir gagner aujourd'hui, évidemment. Hein. Théo Neymar, le centre et l'arrêt, ça va revenir sur Théo Neymar. Et non, ça repart. Belle récupération, RG7. Mano. Le ballon décalé là-bas, la frappe peut-être arrêtée. Et bel arrêt, très bel arrêt du gardien de Southampton. Alors on domine pour l'instant ce début de match. On domine un peu là, on domine un petit peu. Et le ballon a récupéré, 63 pour l'instant. Ouais, on n'a pas trop la balle quand même. On n'a pas trop la balle, on tire mais on n'a pas la balle. Allez les gars, il va falloir faire attention. À cette équipe de Southampton, évidemment, la défense est belle. La défense est très belle de notre numéro 8, qui est venu défendre. C'est Black Panther qui est venu défendre. Bravo. Belle, belle défense. Par contre, la relance derrière, les gars, c'est pas top. Attention à cette action et le but. Les gars, on se fait surprendre. Ça va pas le faire, les gars. Je vous dis, ça va pas le faire. Si nos simulations se passent comme ça, les gars, ça va pas le faire. 1-0 but de Ings. Aïe, 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 aïe. Ah, il va falloir réagir. Il va falloir réagir au niveau des notes, les gars. Bah, à part Ganil qui a un pauvre 5,9, sinon ça va. Ah oui, Ganil, je te dis franchement. Hein. Tu peux dire que l'équipe BIS allait claquer au sol, mais toi, tu te prends des buts. Ah oui, hein, t'as oublié que t'avais pas 96 de général cette année. Mais bon, t'as quand même un bon général. Allez, les gars, contre-attaque, il faut y aller.
Mais j'aime bien embêter un peu mon entraîneur, mon capitaine, c'est important de Et le faire. Il par-dessus, faut lui montrer que, Ramos hein. qui se retrouve bien, qui fait bien Ah, il sa faut course. tirer, allez! Oh là 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 là. On a un problème au niveau du tir, hein. Très franchement, la dernière simulation c'était un peu la même chose, on tirait pas au but, et c'est le gros gros problème à chaque fois. Allez, allez! C'était extrêmement Donc comme d'hab les gars, dangereux, je le très bonne précise, hein, mais s'il y a un coup intervention. franc, un penalty, j'irai le tirer. Voilà, je le précise. C'est important. Valka Peters. Ah bah forcément, là ils vont garder le ballon, on va essayer de Stopper. monter un petit peu les gars, ça pourrait être bien. Comment on fait pour changer le plan de jeu? James Ils Ward-Prowse. veulent pas. Ariel Romeo. Voilà. Valka Allez. Peters. Ils veulent pas, voilà. Il bug un peu au Bernd niveau du changement Langenhout. de plan de jeu. Là, ça fait 5 minutes que Pour j'essaie de le faire, ça s'approcher du marche pas. but. Allez les gars. Maintenant il faut monter, il Allez, faut y aller en couper le contre-attaque, ballon au il dernier faut jouer. moment. Bien joué. Allez Rémi Perrin, c'est à mi-temps. C'est à mi-temps les gars. C'est à mi-temps et c'est pas bon. Qui Et c'est pas transforme bon le du temps tout, donc il va restant. falloir vraiment faire quelque chose au Peters niveau du plan de jeu. qui Je pense que je vais décide pas faire qui grand-chose, hein, prend le honnêtement. déchargé, je rappelle. On est en mode pressing et tout, personne n'est vraiment fatigué. Au niveau des remplacements, pour l'instant, à part RG7 qui a une moins bonne moyenne que Kenan, mais on a Rémi Perrin, toujours pas une grosse grosse note. On a Théo Neymar hein, qui a 6,4 de notes, ça c'est pas beaucoup, on va peut-être le remplacer, petit Théo Oui, Neymar. mais Allez ça les peut aller gars, plus loin. allez RG7 là, il faut se motiver un petit peu là. On a le ballon, on récupère bien le ballon, mais pour l'instant on n'en fait pas grand chose. Et alors, le gardien Allez, qui bien peut belle facilement sortie. s'emparer du ballon. Il avait Et dès bien que le le ballon temps, sort, les gars, on pratiquement. fait des remplacements. Et le ballon va sortir. On va pouvoir faire des remplacements. Allez, on va faire des remplacements, les gars. On va sortir du coup Théo Neymar, qui fait pas un gros match au final. Donc voilà, on va le remplacer par Jamal. Et je vais remplacer RG7, sinon Kenan va gueuler. On va mettre What Football du coup devant. Et puis, on va mettre Olympico qui fait des matchs quand même assez intéressants la plupart du temps. Donc on va le mettre à la place de Calix. Mais Qui sort, le les gars, gardien il qui faut va bouger, pas hein. Il pouvoir faut se bouger un avancer. petit peu quand même, hein. Il faut se bouger. On a atteint l'heure de jeu. Heure de jeu déjà, voilà. Et puis 1-0 Une toujours. Donc passe. Et ces encore une belle simulations vont pas passe. beaucoup me plaire, moi je vous le dis. Ariel Romeo. Aïe 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 Ariel aïe 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 Romeo. aïe, le Attention au poteau! poteau. Le Magnifique. poteau! Oh là là, mais on est vraiment moyenasse, hein. Ce Il sera faut une qu'on belle touche monte, à il faut qu'on suivre. monte, on va se mettre en mode ultra offensif, les gars. Parce que voilà, je pense que c'est mieux. Westergaard. Ah bah là, on va y aller, hein. On y va à fond, les gars, mode Les ultra deux de offensif. Chelsea qui ont bien défendu sur ce coup et qui ont récupéré la balle. Allez, allez, les gars. En cherchant une Allez, oh là, solution. il y a du monde, il y a du monde dans la surface, mais pour l'instant, il n'y a pas de but. Oh, ça passe à côté. Et la Ça puissance passe du à côté pour What Brésilien, Football, tellement précision dommage. manquait un peu. Ouais, c'est justement ça, la nuance, tu vois, Hervé, Ouais, c'est un joueur 75e là, ça y est, peut ça prendre un commence but à qui a être. été marqué sur un autre terrain. On va tout de C'est suite pas bon savoir les gars, quel est c'est pas bon. parti. Oui, Hervé, c'est le troisième but C'est moyen, scoré c'est par très le moyen. West Ham. Le score est maintenant de 3 buts à 0. En On profondeur, fait quoi maintenant? attention. On fait quoi là? On est en train de. On chute à chaque fois. La dernière fois c'était Et Crystal ce Palace, ballon maintenant arrive c'est pour essayer de Southampton. protéger son On fait ballon. comment? Ah Ariel bah on simule Romeo plus de matchs les gars, c'est pas qui entre possible. dans les 10 dernières Allez les minutes gars, contre-attaque, faut y aller maintenant. Allez, What L'obstacle Football! de contrôler Allez, enfin What en tentant une Football! Pas petite perdre ce ballon! accélération, mais Allez, bien l'espoir joué, n'est bien pas récupéré. encore. Ça c'est bien, le pressing était bon. Allez, les gars! Il faut trouver une option Oh, disponible. il y a, il y a, il y a, Allez, il y a, il y a hors-jeu. Je hors-jeu, les crois qu'il est gars. parti un Ouais, petit peu trop 85e tôt. minute, ça y est, ça va être terminé, on va pas y arriver. Il faudrait se projeter tout Un de suite vers l'avant, ballon mais ça va être qui est bien compliqué. récupéré par les Blues de Chelsea. Allez, la dernière action, elle est Oh, là! Eh non, tentant les de gars! revenir là. Ça va être compliqué Ballon maintenant, qui il va sort de la rester une touche minute à peine, avec il va sa falloir se projeter tête. tout de suite vers l'avant et c'est même eux qui récupèrent le ballon, la touche Il était a essayé de pourrie. passer pour intercepter cette passe. Oh les Alors que gars, vous Chelsea me faites pas a plaisir. une Allez, la nouvelle dernière action, elle est occasion là. d'ouvrir Allez, le score il faut la en fin mettre. de match. Et non. Non, non, ça ne passe pas. C'est terminé, on Ariel s'incline Romeo les qui gars, trouve le but. on s'incline et ça m'énerve. Vous me saoulez les gars. Les gars, vous me saoulez. Bon, 1-0. Voilà. Bravo les gars. Bravo. Ça c'est de la performance, hein. Ça c'est de la grosse performance. Chapeau l'artiste. Bref, non, c'est pas très grave. C'est pas très grave, les gars. On va donc, ouais, Géopold Junior content d'être mis sur la liste des prêts. Je peux comprendre. Un prêt te fera le plus grand bien, mon petit Géopold. Et on va se retrouver, les gars, tout de suite pour le prochain match. Allez, match face à Leicester aujourd'hui pour nos Blues de Chelsea. L'occasion aujourd'hui pour nous de réagir, évidemment. Ah, à noter, les gars, le développement de Harouf. On va aller voir ça tout de suite pour voir un petit peu s'il gagne en général. On va regarder ça tout de suite, les gars. Non, pas de général de gagner, mais en tout cas, voilà. Le voilà, défenseur central. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. On va pouvoir aller jouer ce match face à Leicester. Tac-tac, on va aller regarder l'équipe, évidemment, pour voir ce qu'on fait, même si, à mon avis, bon, après, on a un match de Ligue des Champions, hein, après, donc faut pas l'oublier, celle-ci. Ça va être un gros match.
On va pouvoir faire souffler un petit peu nos cadres. Alors je vais mettre Léo Brandon sur le côté gauche parce qu'il me fait toujours des très bons matchs, hein, faut être honnête. Et je vais faire jouer un joueur qui pour l'instant est plutôt pas mal. C'est Jackson qu'on m'a demandé de faire un peu plus jouer. C'est vrai que je le fais rarement jouer, donc c'est vrai qu'il faut que je le mette. Je vais le mettre aujourd'hui, notre Connor Jackson, qui voilà, peu de tranchant en plus, donc il va falloir qu'il se bouge un petit peu en même temps, il faut que je le fasse jouer un peu plus certainement. Voilà les gars, bon, je pense que c'est plutôt pas mal. Qui est-ce que je vais laisser? Je vais laisser Jamal, je vais enlever Canino, je vais mettre D7. Peut-être mettre Théo Neymar quand même sur le banc aujourd'hui, au cas où quand même pour rentrer. Et je vais faire un truc, les gars, qui va pas du tout plaire à Kenan, mais ça c'est pour son petit commentaire sympathique. Je vais le remplacer par What Football aujourd'hui. Je le ferai rentrer en cours de match, mais je vais le mettre remplaçant. Voilà, pour lui montrer que. Chut, on se calme. Voilà. Je pense qu'on y va comme ça. On est plutôt pas mal. C'est parti, les gars, pour ce match face à Leicester, quoi. Mais là, faut gagner, par contre. Ça, c'est important. C'est moi le patron, d'accord? C'est moi qui gère. C'est tout simplement ce qu'il faut que vous compreniez, d'accord? C'est vous qui jouez, c'est moi qui gère, d'accord? Donc, chute. Simplement. Mais dites-moi, hein, quand même, hein, si vous avez des suggestions. Mais n'empêche que c'est quand même moi qui gère, d'accord? Donc, si je vous dis, on n'insulte pas les gens. Voilà. Allez, c'est parti pour ce match. Oh, mais oh, on va pas se laisser marcher sur les pieds, d'accord? Je me suis laissé marcher sur les pieds un petit peu sur la carrière de FIFA 20, là, avec des petits Ganil et XD Fire qui commençaient à me faire chier. Là, c'est fini, ça, d'accord? C'est fini, les gars. Non, mais c'est moi le patron. Allez, c'est parti, les gars, pour le meilleur moment de ce match face à Leicester. Chelsea, une équipe qui va essayer de se ressaisir après sa défaite en déplacement. Allez, Connor Jackson, la frappe et ça passe juste à côté. C'est un arrêt surtout, j'ai l'impression, c'est ce que j'entends. Ça veut dire que la frappe était cadrée. Et oui, la frappe de Connor Jackson était cadrée. Corner, du coup, allez les gars. Il n'y a pas Kenan pour récupérer ce ballon, dommage. Allez, bien joué, Black Panther. Bon décalage là-bas sur Léo Brandon. Allez, pourquoi pas le centre. C'était bien tenté dans l'idée. Oh, il a essayé de passer. RG7, allez, la puissance d'RG7. Oh, trop de puissance, c'est dommage. 0-0, mais là, on fait un bon début de match, c'est pas mal. Les matchs qui se succèdent. Ouf, oh la vache, comment il passe. Ça c'est dur. Et c'est le but. Oh, aïe, comment il est passé sur Matt. Pouh, oh, il s'est pris un vent, Matt, là, mais de ouf. Hallucinant. Ah bah, va te taper contre le mur, toi, je te dirai rien. Ah, la frappe, elle est extrêmement puissante. Derrière, en plus, mais surtout le vent. Pouh. Il s'est pris une tempête, Matt, et derrière il a un peu lâché, c'est dommage. 1-0, les gars, 1-0, eh oui. Oh, aïe, la défense. Oh, la défense, là, c'est du n'importe quoi. Et la faute, certainement, voilà, à l'entrée de la surface. C'est un peu n'importe quoi, ce match. C'est du grand n'importe quoi. Le coup franc de Madison. Attention, évidemment. Attention. Parce que là, c'est dedans. Le deuxième but pour Leicester. Eh oui, ça fait 2-0. Eh là là, c'est compliqué. C'est compliqué. Je comprends plus. Je ne comprends pas ce qui se passe. Eh ouais, mais je sais pas. Je ne sais pas si c'est. C'est un manque de. C'est une mauvaise organisation, peut-être. Je ne sais pas. Faudra qu'on trouve une autre organisation, peut-être. Je ne sais pas. Faudra voir ça pour le prochain match. Peut-être trouver une autre organisation parce que ça ne fonctionne pas. 2-0 pour Leicester. Qui va pouvoir continuer son action. Ouais, ballon. Oh là, c'est trop fort. C'est n'importe quoi. Ce match, c'est du grand n'importe quoi. Cette carrière, c'est du grand n'importe quoi. Franchement, c'est très surprenant parce que je suis capable de faire des gros matchs dans mes autres carrières, hein, avec Sunderland et puis Titi et Everton. Et là, je suis incapable avec une équipe qui a full 80, voire 85 de général. D'aller mettre un putain de but à Leicester, c'est quand même hallucinant. Je ne sais pas, on va faire des changements. Déjà, je vais mettre Kenan devant, enfin déjà changer ça, hein, parce que Watford ne fait pas forcément un gros match, donc on va mettre Kenan tout de suite devant, donc ça c'est important. Et je vais enlever Mano, je vais mettre Théo Neymar au milieu de terrain, à voir ce que ça peut donner. Je sais pas trop ce que ça va faire, je ne sais pas. C'est bien dosé, ça. La balade des gens heureux. C'est la balade, quoi. Les mecs, ils se baladent. Ils font ce qu'ils veulent.
Ils font ce qu'ils veulent, 4-0, ça me gave, ça me pète les couilles, ça me saoule, ça me brise les reins, ça me tout ce que vous voulez. Ça me gave. Penalty. Penalty pour bien terminer ce match. Encore, c'est pas terminé, les gars. Il y a la 82e minute de jeu. Allez, est-ce que Gani va se prendre une petite Panenka qui va bien? Je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être. Allez, c'est possible, hein. Gani, il est au taquet. Hein. Allez, bien joué, mon petit. C'est bien ça, mon petit. Allez, je vais faire rentrer des 7 quand même aujourd'hui à la place de Jackson qui m'a fait un match un peu pourri aussi. Même s'il a fait un bon début de match. C'était... De toute façon, tout le monde a fait un match pourri aujourd'hui. Hein. Clairement, c'est une catastrophe. Allez, le corner là, ça va rentrer ça. Oh là 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 là. On gagne aucun duel. 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Allez, c'est maintenant que ça dédouble. C'est à la 86e minute de jeu que Matt décide de dédoubler et de faire une jolie passe à RG7 qui décide de louper totalement le cadre. Cela dit, c'est la première belle action du match. Qu'on soit d'accord. Mais la frappe d'RG7 encore, elle est pas tranchante, quoi. Y a rien. Y a rien du tout dans la frappe. Après, il y a peut-être de la démotivation, hein, de la part de l'équipe et de la part de celui qui joue aussi, peut-être, c'est possible. Chelsea qui ne semble pas avoir la recette aujourd'hui pour renverser la partie. Ouais, ça c'est joli pour Matt, qui dédouble encore, hein. Ça fait encore deux fois, et ben voilà. Deux fois qu'il le fait, Matt, dans ce match, et voilà, ça fait but. Mais pourquoi pas le faire plus tôt? Pourquoi pas... En fait, je trouve que l'équipe est extrêmement défensive. Jamais, jamais dans l'attaque, jamais dans le... Et pourtant, j'essaie de les faire monter de temps en temps, mais ils montent jamais. Donc voilà, il y a des gros problèmes là-dessus. Et voilà, et la preuve qu'il faudrait monter beaucoup plus souvent. Matt qui vient marquer. Bon, bah, le 4-1, juste symbolique. C'est un match à oublier, mais d'une force phénoménale. C'était de la merde, ce match. Mais d'une... Je ne sais même plus quoi dire. 4-1. Il y a 4-1 face à Leicester. Alors, c'est Leicester, ok, mais quand même. On est Chelsea, on a une grosse équipe. On ne devrait pas prendre des buts comme ça, ça ne devrait pas être normal. Voilà, on va s'incliner aujourd'hui 4 buts à 1. C'est du n'importe quoi dans ce match. Voilà, du grand n'importe quoi. Bon, malgré ça, les gars, j'ai décidé de pas trop vous tirer dessus. Hein. Voilà, on va dire que le meilleur a gagné. Je vais pas vous tirer dessus dans les pattes non plus, tout ça, moi, je vais y aller mollo quand même. Parce que bon, ben voilà, ça peut être aussi de ma faute, et voilà, c'est ce que je vais mettre aussi, c'est de ma faute. Je pense que j'ai mal joué aussi, donc voilà. Mais Madison, on s'en fout. Je vais pas vous accabler pour ce match, même si clairement, ça fait deux matchs, deux défaites, c'est pas normal. Alors, Calix, qui lui aussi a un changement de poste, donc ça c'est cool. Voilà, on va changer tout ça. Hop, il va pas gagner de général non plus, donc c'est pas grave. Bon, ben les gars, faut y aller quoi. C'est voilà, le PAOK. Le PAOK Salonique aujourd'hui. Voilà, c'est... voilà. Bon, encore une fois, les transferts à chaque fois sont abandonnés, ça devient un peu emmerdant. Oui, parce que chaque fois, je mets OK pour vendre les joueurs, et puis au final, ils veulent jamais partir, donc c'est un peu chiant. Bref, les gars, un match face au PAOK Salonique. Maxenko Olympico qui voudrait jouer ce match. Je n'ai pas répondu. J'y songerai, mon petit Maxenko Olympico, pas de souci, on va voir ça. On va aller le faire sur ce match maintenant, mais oh là là, là je suis choqué, les gars, je suis choqué, on est vraiment pas bon. On est hyper mauvais. Est-ce qu'il y a des joueurs fatigués que je puisse remplacer? Donc Théo Neymar va jouer aujourd'hui, maintenant tout le monde va être bien. RG7 va laisser sa place à Watt Football aujourd'hui, donc Watt Football sera associé à Kenan devant. Et puis en défense centrale, ouais, non, je vais mettre. Ouais. MQ12 va sortir, remplacé par Sergio Pepe. On va essayer de faire un peu de changement. Matt va sortir, mais il va être quand même sur le banc. Harrison va être là. Je vais quand même mettre Matt sur le banc aujourd'hui, au cas où. Écoutez, on va tester des joueurs forcément, parce qu'au final, je trouve qu'il y a des joueurs qu'on ne teste pas, comme Jans, que je teste très rarement et pourtant qui me fait des bons matchs. Donc je pense que ça serait l'occasion de le tester. Et puis quel joueur? Ouais, El Kaido que je teste pas, mais c'est pas le joueur le plus rapide non plus. Je vais le mettre aujourd'hui. Bon, à la place de Matt, voilà, parce que de toute façon, on ne le fera pas rentrer. Et RG7, on va le laisser quand même sur la pelouse. C'est parti, les gars, pour ce match face au PAOK. On est bien en Ligue des Champions, mais bon, faut rester bien, ça serait bien. Allez, c'est parti, les gars, pour ce match de Ligue des Champions. Il faut relever la tête. Oh oui, oh, il faut même plus que relever la tête, là. Il faut se sortir les doigts du cul. Ouais, exactement. Je pense que c'est plus ça, en fait. C'est même pas se relever la tête, là. C'est vraiment se sortir les doigts du cul, très clairement. C'est exactement ça, quoi. C'est là, on est sur un délire, les gars. Vous faites de la merde. Bon, allez, faut essayer, de toute façon, parce qu'il n'y a pas le choix. On va aller pas regarder cette équipe du PAOK Salonique. On va y aller direct, les gars. C'est parti. Allez, ça doit passer. Voilà, pour Watt Football. Ça, c'est les choses qu'on ne voit pas assez clairement. Et arrêt encore. Et ouais, mais on perd notre duel à chaque fois, les gars. C'est pas bon, hein.
On perd nos duels et jusque-là, c'est dommage. But qui aurait peut-être. C'est pas ça, c'est cadeau. Ah, et là, pourquoi pas la frappe puissante? Oh, de Théo Neymar, elle était fabuleuse, cette frappe de Théo Neymar, l'équilibre était quasi parfait, la puissance était là, elle vient mourir sur le poteau, grosse grosse occasion de Théo Neymar là, bien joué, qui fait un bon début de match Théo Neymar, c'est bien. Ça peut passer pour Kenan, ça peut passer pour Kenan, ça peut passer pour Kenan, et ça passe 1-0. 1-0 pour Chelsea, but de Kenan à la 22e minute de jeu. Très belle passe de Watt Football. Et ça fait but. Voilà, voilà. Et là, on fait un câlin à Watt Football. D'accord, Kenan, on fait un câlin à Watt Football parce que la passe, elle est magnifique. Le petit coup de tête pour se remettre le ballon dans l'axe. Et ça fait but. À la limite, limite du hors-jeu. Mais ça passe. 1-0 pour Chelsea. Enfin, les gars, on marque. Et enfin, on prend l'avantage quelque part dans un match. Parce qu'à un moment donné, ça commence à être un peu rare tout ça. Cam Forbridge qui joue son rôle pour aider les Blues. Allez Kenan! Oh! On était pas loin, on était pas loin avec XDefire qui va encore prendre un petit jaune. De toute façon, il aime bien prendre des petits jaunes XDefire. C'est un grand fan de ça. C'est une blague, les gars. C'est une blague, c'est une blague. On va se prendre un but, c'est une blague, les gars. C'est une grosse blague. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai, hein. Oh, c'est quoi ce truc? Putain, je viens de découvrir un truc. Une fonctionnalité. Je ne sais pas c'est quoi exactement. Il y a un truc, oui, pour faire un appel. Je ne sais pas, je ne connais pas. Dites-moi, les gars, si vous savez comment faire pour que je regarde. En tout cas, on gagne aujourd'hui, mais c'est pas un match fameux, hein. Pas un match fameux du tout. Bon, effectivement, rien de fou hein, dans ce match, ça n'a pas été dingue. On a gagné, et ça, c'est le côté très positif, évidemment. Rémi Perrin, content de jouer autant, donc ça fait plaisir aussi. Et déçu de ne pas jouer du côté de Maxenko Olympico, effectivement, je peux comprendre. Ça n'a pas été facile, il a fallu faire des choix aujourd'hui. On va aller jouer ce dernier match face à Albion, à Brighton. Donc voilà, pour faire un truc sympa, ça pourrait être cool. Allez, c'est parti les gars pour ce dernier match de la vidéo. Bon, bah là, il va falloir faire mieux, hein, parce que regarde, quand on voit au classement, les gars, c'est pas top, hein. On est 16e tout simplement, donc là vraiment c'est très très moyen, vraiment, ouais, c'est vraiment très moyen, c'est très très moyen. Bon, on va y aller pour ce match face à Brighton, l'objectif aujourd'hui, bah, de continuer à essayer de se relever la tête, de faire de mieux en mieux, d'essayer de voilà, enfin, on n'a pas le choix quoi, on n'a pas le choix, il faut faire des choses bien. On va mettre du coup sur le banc notre ami Jackson aujourd'hui, pourquoi pas, pour rentrer. Pour l'instant, comme Géopold Julien n'est pas encore pas encore prêté, je vais le mettre sur le banc aujourd'hui quand même, pour pourquoi pas le faire rentrer. Ça peut être intéressant. Après, il y a certains joueurs que bon, je ne sais pas trop. On va les laisser comme ça pour le reste, je pense que c'est pas mal. Ouais, on va rester comme ça pour le reste. On va laisser une équipe type aujourd'hui, évidemment, parce que là il va falloir qu'on vraiment on se relève avant de pouvoir faire autre chose, parce que sinon, ça va pas le faire, quoi. Ça va vraiment pas le faire. Donc, faut y aller. On y va, les gars. Et puis, on se sort les doigts du... Chut. Ah oui, non, je vais quand même pas le dire. Ça se dit pas. On va pas dire ça, on est sur YouTube, il y a des enfants qui nous regardent, non. Ah oui, non, enfin, attention. Pas de gros mots, quand même. Merde. Allez, c'est parti, les gars, pour ce match face à Brighton. Bon, comment on fait là au point? On espère gagner, on espère pas perdre, on espère faire bonne figure, je ne sais pas. On est quoi? On est une équipe qui joue le maintien, ou est-ce qu'on est une équipe qui joue la Ligue des Champions, voire le titre? Bon, allez, c'est parti les gars, on va essayer en tout cas. Dans cette match, voilà, il faut y aller quoi. Il va falloir faire beaucoup mieux que ce qu'on a pu faire. C'est parti les gars, let's go. Allez, voilà pour Black Panther. Là, il faut qu'il y aille tout de suite Black Panther. Le centre, il est intéressant. La tête et le but de Kalix. Très beau centre de Black Panther. Et la position de Kalix, elle est parfaite sur cette action. Notre meilleur buteur sur FIFA 20 qui vient marquer aujourd'hui. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de marquer un but assez vite et surtout assez bien, parce que c'est un beau but. Voilà, un joli centre, un coup de tête précis. Voilà, qui vient battre le gardien tranquillement. 1-0. Les gars, but de Kalix, BNV. Son deuxième but en première ligue. Et ça circule sans problème, bonne conservation. Attends, c'est quoi ça? Mais c'est... Et le but, ça, c'est quoi cette défense, les gars? Putain! Oh la vache! Ah non, si, quand même, là, la défense, elle est vraiment pourrie, quand même. Là, il faut le dire. Oh non! Il s'est passé quoi, là? Il s'est passé quoi? Pourquoi tout le monde... Regardez, là, là, il... Oh, ya, 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 ya. Tout le monde, ça a été attiré par le ballon.
C'est hallucinant. C'est hallucinant, les gars. Alors après, il faut savoir une chose, les gars. Quand on crée un joueur, déjà, ça vous le savez, je l'ai déjà dit sur FIFA 20, les joueurs, ils ont tous 30, 60, je crois, de lucidité défensive quand ils sont défenseurs. Ce qui est très peu, hein, honnêtement, pour un défenseur. Donc ce qui est logique aussi, certaines fois, donc le placement n'est pas très très bon. Et que voilà, il manque de lucidité à certains moments. Donc voilà. A la contrario, offensivement, on est quand même normalement pas dégueulasse. La frappe et le but de Mano. Voilà, voilà. La réaction derrière, elle ne se fait pas t'attendre. Et ça, c'est une bonne chose. Mais oui, je pense que la lucidité défensive, clairement, elle doit beaucoup jouer. Et je pense que, à mon avis, c'est pour ça aussi que des fois le placement est très très moyen. Voilà, superbe vue. Là, on voit là, les fesses des supportrices. Pourquoi pas, hein. Après, moi, je vais pas dire non, hein, y a aucun souci là-dessus. Je prends ce qu'on me donne. Allez, c'est parti, les gars. 2-1, c'est bien. Mais ça, c'est très bien joué. La part de Rémi Perrin est derrière. Pourquoi pas le ballon pour RG7. Ça, c'est très très bien joué. La part de Rémi Perrin est derrière. La frappe peut-être de RG7 et le but. Magnifique. Superbe travail de Rémi Perrin, vraiment. Et ouais, très bien joué. Là, elle est très très bien pressée, Rémi Perrin est derrière. Superbe but de RG7. Ça fait 3-1. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, honnêtement. Et voilà, la passe, on va pas la revoir, mais elle est très très belle. L'interception était magnifique aussi. Et ça fait but. Enfin, les gars, enfin. Et ballon pour Théo Neymar. Ça, c'est bien. Allez, Théo Neymar peut-être. Théo Neymar la frappe et l'arrête. Ah, c'est pas fini. Calix pour le doublé. Voilà les gars, voilà ce que je veux voir, voilà. C'est ça qu'il faut faire. Mais tous les matchs, en fait, c'est voilà, il faut être puissant, tranchant, tueur, tout. Voilà, comme là. Parfait, là Calix d'ailleurs qui se pose aucune question et qui vient marquer. 4-1, ça c'est du bon résultat, ça c'est propre. Oh le magnifique ballon, s'il n'y a pas d'enjeu, c'est sublime. S'il n'y a pas d'enjeu, c'est donc sublime. C'est pas très bien joué du tout. C'est très mal joué. Mais c'est très très mal joué. Je sais pas pourquoi RG7 il est venu coller Black Panther. Du coup au niveau de la passe ça a totalement bah oui il a rien pu faire. Ah c'est mal joué de la part de RG7. Là il est resté dans les pattes de Black Panther. C'est très mal joué. Et c'est dommage. Le début de la seconde période de ce match avec donc Chelsea. Bon, ça passe pour RG7. Ça passe pour RG7. Le haut, l'accélération derrière. Si ça va au bout, c'est sublime. Et eh ben ça va au bout, c'est magnifique. Ok, d'accord, bravo, c'est bon les gars. Magnifique. Quand la confiance est là, tout passe. Le magnifique geste technique, évidemment, de RG7 pour commencer. Et derrière, l'accélération, elle est magnifique aussi. Et quand ça va au bout, c'est sublime. Ça le fait. 5-1 dès le début de cette seconde mi-temps, c'est parfait. Encore une récupération de balle. S'il n'y a pas d'enjeu, ça va être magnifique. Il n'y a toujours pas d'enjeu. C'est donc toujours magnifique. Et le but derrière de Kenan. 5, ça fait 6-1. 6-1, voilà. Il va falloir m'expliquer, les gars, l'écart. L'écart entre ce genre de match et les autres matchs d'avant. Il va falloir m'expliquer l'écart. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Là, on est à l'extérieur. On n'a pas l'appui de notre public. Rien du tout. Voilà. Alors, on a mis l'équipe type aujourd'hui. Soit, mais c'est pas ça qui change quelque chose. Clairement, on le voit depuis le début de la saison. J'ai rien changé. Il va falloir m'expliquer. Vous me surprenez, soit, là en positif pour ce match, mais il va falloir comprendre. Ça fait pas trop la fête dans les tribunes. Le moral. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'était pas en jeu du tout, Calix. Et le but peut-être de Watt Football. Oui, 7-1. Voilà, Watt Football qui est rentré à la place. De RG7, j'ai aussi fait rentrer Jackson du coup sur le côté droit à la place de Black Panther. Et puis Mano est sorti, remplacé par Maxenko Olympico. Et ça fait 7-1. Voilà les gars, je ne comprends rien. Oh, c'est terminé. Oui, je fais oh parce que j'ai vu le petit Connor Jackson. Vous l'avez pas vu parce qu'il était en bas de l'écran là où il y a ma tête. Mais il était parti. J'allais l'envoyer là sur orbite. Mais bon, c'est dommage. En tout cas, 7-1, je ne comprends pas. Il faut être honnête, je comprends pas pourquoi on gagne aujourd'hui 7-1. Alors ok, c'est Albion, tout ça, machin, mais non quoi, c'est pas parce que c'est Brighton, ça n'a rien à voir en fait. C'est une belle équipe Brighton, donc non, je suis désolé, ça n'a rien à voir. Donc bref, je ne sais pas, c'est comme ça, on s'impose aujourd'hui, ça fait plaisir, heureusement. Évidemment que ça vaut une interview d'après-match, cette histoire, c'était obligatoire. Bon, RG7, héros du match, une bonne performance globale, parce que c'est vrai que ça a été plutôt cool.
L'adversaire a été clairement pas au niveau. Persévère, hein. Persévère, mon petit. Une victoire. Écoutez, le score est sévère. Effectivement, le score est quand même sévère, hein. 7-1, c'est quand même sévère. Mais voilà, on a réussi à gagner ce match. Et ça, c'est plutôt une très, très bonne nouvelle. On est donc, les gars, toujours dans le ventre mou pour l'instant de ce championnat. Mais il va falloir remonter très vite, évidemment. 9e, les gars, avec 13 points. La tête, elle a quand même 2 points de plus. Oui, quasiment, elle a 2 fois plus de points que nous. Donc, il va falloir aller très, très vite devant. On est à 5 points de la 6e place, donc on est quand même très loin. Enfin, il y a du boulot, il y a du boulot, les gars. Ça va pas être facile. On a fait un match un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de se relever. Au prochain épisode, les gars, on aura donc le match face à Fulham. On a un match face au PAOK Salonique. Donc il y a le match au retour. À la limite, on le simulera de manière interactive celui-ci, parce que je pense qu'il n'est pas très intéressant. On jouera Leeds, on jouera Fulham. Et puis on jouera Newcastle, voilà, pour terminer. Je pense que ça peut être pas mal. On ira donc jusqu'à Newcastle pour le prochain épisode. Je pense qu'on va simuler le PAOK, hein, mais j'ai pas trop envie de simuler les matchs de championnat, les gars, en ce moment. Clairement, je vous le dis, ça me fait peur. Donc voilà, on simulera le PAOK, je pense, ça pourrait être cool. Voilà, les gars, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Même si vous m'avez un peu saoulé depuis le début. De toute façon, faites que ça, me saouler. C'est le principe de cette carrière. C'est que vous allez tous me saouler un par un. Voilà. Bon, là, c'est tout le monde qui me saoule. Bon, ouais, d'accord. Mais voilà, ça va être le principe. C'est le principe de la carrière. Bref, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, les gars, n'hésitez pas, le petit pouce en l'air, l'abonnement et la cloche de notification pour évidemment ne rien louper de mes vidéos magnifiques, évidemment, comme d'habitude. En attendant, les gars, gros cœur sur vous. Hein, comme d'habitude, c'était Rémi. Bisous, bisous.